Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forêt Gravity. Ça fait depuis très longtemps qu'on est inactif. On a eu quelques problèmes durant ces 3 mois, je crois que ça fait depuis bientôt 4 mois qu'on a rien posté sur Forêt Gravity. On a eu un problème avec la GoPro. Loïc était censé partir à Paris pour la POV qui est sortie il y a environ 3 mois du coup. J'espère que vous avez bien profité de la POV parce qu'il n'y en aura pas d'autres pour l'instant. Loïc s'est fait voler la GoPro dans le train. Et du coup je me retrouve avec cette caméra. Donc j'ai payé cette caméra, cet appareil photo plutôt, un Nikon D5300. Pour ceux qui sont intéressés, au moins envoyer la qualité directement dans nos vidéos, tout ça, à Avignon. Hey, wesh wesh les amis. Du coup, là on est dans le bus. Tu peux filmer le bus, Loïc, autour, s'il te plaît. Voilà. Voilà, ce bus nous a coûté 10 euros, hein, oui, chacun. 10 euros le bus pour faire 300 mètres. Un peu plus, mais bon, ça, pour plaignez-nous en commentaire. Mettez pas de pouce, mettez un pouce vert pour soutenir. Il n'y a plus de pouce vert, connard. Mettez un pouce vert pour soutenir le pauvre chauffeur qui appuie. En fait, non, je sais pas quoi dire. Mettez un pouce daltonien. Un pouce daltonien, voilà, parfait. Arrête de faire un zoom, s'il te plaît. Mais le pouce genre vers le haut, j'aimerais grave forcer, mais vraiment. Vous savez quoi? Regardez, au-dessus de moi. Allez, salut. Attends, non. Normalement, c'est il y a déjà la musique quand elle rentre. Non, mais... tu sors, je la mets, après tu viens. Explique le jeu. Stand-up de merde, McFly et Carlito. On est prêt, Charlie! Salut! Mais elle a tellement perdu! Mais moi, je te le dis, moi, je suis. J'aime les bites! Oh, celui-là, il a failli me tuer par contre. Les bites? On est dans ce moment-là. Du coup, j'ai pas réussi ma blague. Moi, je vais déjà pisser parce que j'ai envie de pisser depuis que je suis à Aix-en-Provence en fait. Non. Depuis que je suis à Aix-en-Provence, mon pote! Tu sais où c'est Aix-en-Provence? J'y étais à 19h. Il est 23h. J'ai envie de pisser depuis 19h. Ça fait 4h que j'ai envie de pisser. Je vais y aller, Charlie. Je te pisse dessus. Je te pisse sur ton canapé. Je te pisse sur ton serpent, Charlie. Je te pisse dessus. Je pisse dans ton lit. Je pisse sur le parquet, mec. Ah mais gros, heureusement que t'as rigolé, j'allais mourir. Mec, j'ai même pas eu le temps de rigoler, ça a fait tout seul. Ça c'est ma plate. Mais regarde-le. Regarde-le. Regarde seulement ce mec de... Ah, j'ai mon verre d'eau. Ça filme toujours mal, mais ça filme. Ça filme très très mal, mais ça le fait, hein. Allez, vas-y, avale, William. Allez, vas-y, avale. Ça, c'est pas grave, si ça déborde, allez. Allez, William, tu prends tout, même si ça déborde. Ah mais t'es un dieu vivant. Vous savez pas où sont les toilettes? Il a rigolé William. Non mais je continue. Puis j'ai acheté du PQ. Mais... Vas-y. Ça va? Quand t'as fait ton salto, t'es gavé pour ton salto. Je regardais son putain de tatouage. Mec, je m'y attendais tellement pas au salto. Bonjour à tous. C'est heureux pour mon histoire parce que j'ai pas fait la finir et ça me touche vraiment au cœur de vous la raconter. Parce que, quand même, avoir deux testicules sur le front, c'est chiant quoi. Quand je suis né, elles étaient petites et. Parce que j'ai pas pu finir parce que quelqu'un m'a interrompu en rigolant. Au fur des années, ça. On dit au cours. Au cours des années. Au fur et à mesure de. Ta gueule. Elles ont poussé. Petit à petit, elles ont poussé. Et eu des poils dessus. De plus en plus aussi. Oui. Je peux intervenir? Quelle taille à peu près au final? 7 cm. Par boule ou en tout? Par boule. Quand j'étais excité, tout sentait par les trous de nez, par la bouche quoi. Mais comment tu faisais? Ça arrivait comme ça et. Ça puait après. Je prends un rendez-vous chez le médecin et. Chez le veto. Ah. Feur. Quoi? Feur. Tu te mets à gueule de mes boules? C'est ça? C'est ça? C'est parce que je suis pas comme vous, tu te mets à gueule?
faut que je vous explique ça. Je prends du temps. J'ai des émotions et toi, le seul truc que tu trouves, c'est de foutre ma gueule. Je fais du gay. Je fais du relationnalité. Vous étiez tous en train de sourire avant non, de non, ça. Non, pas moi. Je te jure que non, c'est le premier que j'ai... Cette bite! Ah, je vais pas dire au revoir à Charlie! T'es trop. Ah ouais, moi! Mec, va fermer la porte! Je peux pas avoir accès à la ceinture. S'il te plaît! T'as bon? J'y viens maintenant, allez! Au revoir à Charlie! Non, non, on a pas le temps. C'est bon, on est un peu en. Non, on a pas le temps, lui, ouais. Quand je vais arriver, j'aurai 30 minutes pour me chauffer, faire d'upside et faire un enchaînement. Tu vas faire d'upside? Mais y'a des mecs qui s'appellent des Booster League là-bas. Je déploie avec mon drone. Ce mec, le gars le moins stable psychologiquement de cette maison, le pouvoir de cette ville. Là, il fait ça, à tout moment, il fait. Charlie, quelle technique vas-tu utiliser pour tondre William? La technique, alors en fait, je vais lui faire un dégradé anglais-américain assez haut, voilà, avec ma nouvelle tondeuse pour Rhône. Rest in peace. Voilà. Sachant que j'ai essayé de tondre une seule fois ma barbe avec une tondeuse.
Et sinon, j'ai jamais utilisé de tondeuse de ma vie. Mais on va pas l'air en confiance. Mais franchement, je vais tout faire pour m'appliquer. Et si c'est raté, eh ben, comme c'est raté. Gratuit, c'est pas grave. Allez, vas-y, je laisse. Allez, William, t'es chaud? Attends, je suis 11, 12, 13, 14, 15. William, t'es prêt? Non, mec. Vas-y, fais-le! Promis, c'est... La vidéo est partie. Oh putain. Premier truc. Les cheveux aussi. Vas-y, arrêtez les gars, il faut que je me concentre. T'as pas de trou, mec. Oui, c'est bien, c'est 15. Ça dégrade trop bien, là. C'est la suite, c'est la suite. Comment les choses se passent? Eh, hey, tu... Ah, oh, je suis un coiffeur, moi. J'ai fait un CAP YouTube. Charlie, t'as appris à coiffer il y a combien de temps? J'ai regardé une vidéo sur YouTube il y a 5 minutes. Ça m'avait l'air simple. Je me rends compte que ça allait pas. Mais mon client a l'air... satisfait. Mitigé. Honnêtement, mec, même un coiffeur avec 15 balles, il te fait pas un truc comme ça.